Au-delà de ça, on peut même te prendre une entreprise parce que Dieu est capable de changer ta vie. Toi, tu ressens ma petite, tu toi qui passe le Congo, non, ça, c'est ma petite, c'est ça. Il change ton nom à la compréhension. On a vu des prophètes qui nous ont rendu témoin des personnes où ils étaient en train de donner pas, qui ne savaient pas qu'ils étaient chrétiens. Et lorsque la fille apparaît, dit gloire à Jésus, dit non, ton Dieu est vivant. Il y a des choses, il y a des chassés des démons. Dieu, par sa grâce, m'a fait expérimenter des choses à quoi je ne joue pas avec ma vie de sanctification. Écoutez-moi bien. Vous pouvez vivre des choses que Israël a vécues au-delà d'Israël. Ceux qui sont venus à la répétition, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Il dit, waouh, Seigneur, pourquoi ne pas te mettre à part pour toi? C'est quoi? Le salut prédit. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, frère. C'est une parole biblique vraie. Il a dit, c'est une parole biblique vraie. Amen. Non. Excusez-moi. Pendant que les gens pensent que toi tu vis la galère, tu dis, tu grossis, dis, mais attends, toi tu as quoi? Nous on dit c'est chaud, mais toi tu prends le foie. Tu n'as pas de travail, là-bas tu connais si tu travailles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans ces derniers temps, quand la fille de construire le temple, les moments qu'il travaille, mais pas tous les moments qu'elle porte. Parce que tu vas où? Il y a quoi? Il y a ton visage. Hey, ma fille, ça là, c'est le désert qu'elle a. Quoi. Imagine-toi si l'eau doit couler maintenant. Ça, c'est le désert. Et sinon, coup. Écoutez-moi bien. Quand la gloire de Dieu est venue sur moi, il a dit que son aspect a changé. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et tu ne peux pas avoir des changements. Non, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et puis tu dis que tu vas demeurer dans la débauche. Non, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ça ne marche pas. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Non. Non. Il y a des choses qui vous expliquent, non, parce qu'il est en train de. Je comprends pas. Paul dit, je viens d'un homme. Votre en esprit pendant 14 jours. Il n'a pas détaillé. C'est maintenant que je comprends. Parce que souvent, quand on prend, je viens de détailler. Non, il veut dire quoi? Il est super. C'est ça que Dieu fait. Je ne comprends pas la famille, ça. Il y a des choses que tu vis. Tu te demandes si c'est toi-même. Pourquoi ça veut le voir? Je vous pose la question. Ça veut le voir? Tu as la soeur qui est dans l'entreprise et puis ton patron te maintient simple. Pour rien, moi. Pour rien, dans ce monde où tu es donnant-donnant. Non, attendez. Dans ce monde de donnant-donnant, échange commercial. Amen. 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 D'ailleurs, hier, quand tu es venu te poser une question, il dit quoi? Ça t'a étonné, non? Elle est venue hier, qu'est-ce? Elle est venue en train de faire une réalité, si tu as pris le transport. Elle dit non. Il dit, je sais que tu ne peux pas payer le transport. Parce qu'il commence à avoir quelque chose sur toi. Vous savez, tu ne peux pas vivre la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas vivre la présence de Dieu et les choses naturelles ne vont pas venir à toi. Les choses naturelles vont commencer à venir à toi. Tu ne peux pas fonctionner avec l'Esprit de Dieu et les choses naturelles ne peuvent pas venir à toi. C'est incompréhensible. C'est inadmissible. Ça doit venir à toi. Naturellement. Il dit naturellement. Mais puisque les gens négligent cet aspect, ils croient que c'est pour se mettre à part pour mariage. Tu se mets à part pour chasser des mots. Si tu te mets à part pour chasser des mots, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu te mets à part pour que Dieu se manifeste à travers toi. Ce n'est pas histoire de pasteur. Il faut que dans ton entreprise, les gens te répondent, ouais, nous on est fiers de toi. Celui qui touche un salaire de 500 000, il te règle, mais comment toi tu fais? Et puis ça va chez toi. C'est la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. La Bible dit quoi? Les chaussures et les vêtements n'ont point été usés. Tu sais ce que ça veut dire? Vêtements, habits n'ont point été usés. Dans le désert. Mais qui a fait ça? La Bible dit que Dieu était une colonne, une nuée la journée et la nuit une colonne de feu. Mais c'est ce même Dieu qui est nuée, colonne de feu, qui a manifesté son esprit maintenant en toi. Attendez, il est en toi.
Parce que souvent ça m'arrive des choses, je ne sais pas. Après j'ai peur. Allez, je sors mon tour.